Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe TV Caraïbla depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler attaquer convocation agent police nationale d'Haïti, Yannick Joseph. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbla voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbla pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbla, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien nous va perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Inspection générale police nationale d'Haïti, IGPNH a annoncé la prend sanction contre tout policier qui concerné dans incident qui passé dans local IGPNH là vendredi 7 février qui s'est passé là, Jean règlement intérieur institution exigé ça. Et nous voulons faire connaître tout, dirigeant Action Internationale pour droit moun yo condamné incident qui arrivé IGPNH là nan date 7 février 2021 nan cadre convocation agent police national d'Haïti ya, Yannick Joseph. C'est information ça nous pote pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Le vendredi 7 février 2020 à la suite de la convocation du policier suspecté d'avoir commis des actes contraires aux lois et aux règlements régissant l'inspection générale, disons le fonctionnement de la police, des policiers en guise de solidarité l'ont accompagné alors qu'elle devrait être répondue sur les faits qui lui sont reprochés selon les textes en vigueur. En effet, à travers leurs actions, ces policiers, plus d'une cinquantaine, accompagnés des autres individus, ont, après avoir forcé la barrière de l'IGPNH, menacé le personnel administratif, vandalisé et menacé le responsable de sécurité personnelle de l'IGPNH, en particulier. Ils ont menacé et mis en danger la vie des usagers de la route en tirant ça et là, en restreignant le droit d'aller et venir des citoyens. 2. Forcer les conducteurs à s'arrêter sur la voie publique en leur retirant les clés des voitures dans le but d'entraver la circulation routière. 3. Menacer le personnel administratif et même la vie d'un agent affecté à la sécurité personnelle de l'inspection générale en chef au moyen d'une arme. 4. Détruire et saccager des ordinateurs et matériel de bureau du secrétariat privé de l'inspecteur général en chef. 5. Effectiver publiquement les hauts cadres supérieurs de l'inspection générale. 6. Saccager les locaux de l'inspection générale, brisant des vitres et salir les murs et véhicules de graffiti. De tels comportements violent la déontologie policière et sapent l'image de l'institution dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité qui demande de la police des actions concrètes pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Au regard de ce qui précède, l'IGPNH condamne sans réserve les actes de violence dont a fait l'objet l'institution et s'engage à identifier les auteurs et leur appliquer les rigueurs de la loi. Par ailleurs, l'IGPNH reste consciente des problèmes que remonte le personnel policier dans l'accomplissement de sa noble mission et le rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour la solutionner de manière urgente. L'IGPN a saisi de cette occasion pour appeler tous les policiers à privilégier les voies et moyens prévus par les textes en vigueur pour faire part de leur doléance via la voie hiérarchique et ne pas céder à la manipulation tendant à dérouter la dignité policière. Mesdames et messieurs, nous avons dit que rien de presse jeudi,
les spécifiques dans la mesure où il y a un incident qui produit l'inspection générale qui demandait que l'inspection générale vienne avec des réponses appropriées et basées sur des textes légaux pour capable éteindre raison qui fait que il y a des rumeurs qui courent dans la rue pour nous capable éviter que la population pas défendre de vraie réalité. Et c'est ça qui fait que nous avons une approche juridico-légale de tout texte qui régit l'institution PNH là, sur la façon dont les policiers vont fonctionner. Premièrement, la question de l'affaire de syndicat que les policiers ont revendiqué droit. Nous avons dit clair que l'inspection générale, ni avant, ni pendant l'inspecteur général Sakila. Et l'autre inspecteur général qui est venu, il n'y a pas qu'à interdire droit pour nous jouer selon la Constitution. Cependant, comme inspection générale étant la gardienne de la loi, il gagne pour veiller à ce que toute loi qui régit l'institution PNH là est respectée à la lettre. Nous connaissons que, effectivement, si nous prenons de manière générale la Constitution de 1987, l'État est d'accord à ce que des libertés syndicales pour les fonctionnaires de la fonction publique. Cependant, il faut nous dire que il y a des restrictions, et même la Constitution ça a fait, dans l'article 35.5 qui dit, et m'a cité, article 35.5, le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Vous faites référence à droit de grève là. Pas oublier que syndicats généralement vont utiliser les outils ça comme moyen de pression pour être capable vraiment atteindre l'objectif. Étant donné que nous avons anticipé pour nous dire, nous prévoyons même policiers contestataires qui dit qu'il a fait syndicat, nous prévoyons pour nous faire grève. Ce qui est interdit par la constitution là, dans les limites déterminées par la loi et d'autres lois qui régissent l'institution. Et nous-mêmes, il y a des conventions internationales que l'État haïtien signé qui mettaient restrictions sur certains droits, certaines libertés que agents de force publique là gagnaient pour jouer, mais particulièrement pour force de police là et les forces armées, il y a des lois qui restent astreintes pour ne pas jouer pleinement droit ça. Mais ce n'est pas l'inspection générale en soi qui dit non, je ne pas gagner droit jouer. Haïti signé des conventions. Trois messieurs, c'est le monde qui signe pour nous. C'est, là, c'est le Parlement qui ratifie pour nous. Qui dit qui ça? Pas de qu'un pays qui a pour prétexte constitution pour ne pas appliquer ça à signer. Moi-même, je dis. Et ce général, Chita, recommandation sous texte légaux. Nous prenons deux professionnels de la loi, du droit, qui nous fait formation pour nous ici là. Maître Samuel Madistin, qui est contexte. Maître Daniel Jean, ancien secrétaire d'État à la justice, qui dit mais, nous juste suivre ça, la loi fait. Constitution, c'est pas parler de hiérarchie, dans la constitution, mais, Haïti signe des textes. Vous êtes signé, non? L'État signe. Enfin, l'État, des pays, automatiquement, pas pour le cas, en France, automatiquement, quand la France signe une convention, automatiquement, il faut juste faire la révision constitutionnelle. Nous choisissons le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas jamais faire ça. Nous faisons là, on a mettre des problèmes dans le pays. Donc nous-mêmes, nous sommes juste des acteurs. Nous n'avons pas appliqué ça qui nous est bon. Ça nous joue, c'est l'inspection générale qui nous a appliqué. Nous ne pouvons pas faire une convention. Comment est-ce qu'on dit, pour les journalistes, pas que quel pays qui a pris comme prétexte constitution pour ne pas appliquer ça qui a signé l'engagement de 1948. Comment dis-nous, ma bonne question, pour l'oublier. Donc, la recommandation, nous, c'est que nous ne pas nous baser sur ça, la loi dit. La loi dit, aujourd'hui, on a un texte que la police, qui régit la police, là, par les syndicats. Action internationale pour les droits humains, AIDH, est profondément préoccupée
par la violence de l'incident qui s'est produit à l'inspection générale de l'institution policière le vendredi 7 février 2020 suite à la convocation de la policière Yannick Joseph par l'IGPNH. Un groupe d'individus dont certains encagoulés et des policiers se réclamant d'un mouvement syndical ont investi de force le local de l'inspection générale et agressé physiquement le personnel et détruit des matériels et équipements de l'institution. Ces individus se sont également attaqués à l'intégrité physique des membres de la population, s'attaquant aux véhicules se trouvant dans les parages de l'IGPNH. Action internationale pour les droits humains AIDH condamne avec la plus grande rigueur l'incident qui s'est produit le 7 février 2020 dans l'enceinte de l'inspection générale de la PNH. Elle tient à rappeler que la police nationale ne peut être pas politisée et chaque agent de police doit respecter la hiérarchie et les principes établis. L'Action internationale pour les droits humains AIDH souligne à l'attention de tous et toutes que les règlements internes de la police nationale d'Haïti PNH ne permettent pas un syndicat de police pour motif de sécurité nationale et pour protéger la santé ou morale publique ou les droits ou les libertés d'autrui. En conséquence, l'Action internationale pour les droits humains AIDH croit que les agents de la PNH doivent avoir droit à des avantages sociaux. Ils méritent des soins de santé, logements décents, des équipements appropriés et salaires décents et raisonnables. Pour les droits humains, pour finir, enjoint les autorités policières et judiciaires à prendre toutes les dispositions en vue de punir les auteurs et complices de ces actes de violence et vandalisme et d'en éviter leur répétition à la vie. Voilà, équipe TV Caraïbes dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.